J4. Ce jeudi 9 décembre, Netflix diffusera la première partie de la série sur Meghan Markle et le prince Harry. Très attendue, cette dernière sera évidemment scrutée avec la plus grande attention par la famille royale britannique, qui devrait en prendre pour son grade. En attendant de savoir ce qu'il en sortira vraiment, les polémiques enchaînent. La première bande-annonce a été dévoilée en plein voyage officiel du prince William et de Kate Middleton aux États-Unis. Selon la très célèbre rédactrice en chef du New York Post, Maureen Callahan, qui est également une grande spécialiste de la politique internationale, le prince Harry et Meghan Markle ont fait une énorme erreur, qui s'apparente à une nouvelle déclaration de guerre contre la couronne. Autre provocation présente dans le teaser de la série sur Harry et Meghan, un cliché interdit y a été dévoilé. En effet, une photo du couple quittant la famille royale a été montrée. Devant ce cliché, de nombreux internautes et experts royaux n'ont pas hésité à partager leur étonnement et leur colère. Harry et Meghan ont déclaré qu'ils n'avaient aucun projet en quittant la famille royale et qu'ils devaient s'en sortir pour se sauver. Qu'ils n'avaient aucun plan pour vendre leur histoire ou la partager. Pourtant, le dernier jour, ils ont engagé un photographe privé pour les suivre partout et prendre des photos de leur départ. La deuxième bande-annonce de la série sur Harry et Meghan est explosive et pour faire encore monter un petit peu plus la pression, Netflix a diffusé un deuxième trailer, 4 petits jours avant la sortie officielle de la première partie de la série. Ce dernier commence avec un gros plan sur le prince Harry en train de conduire et dire, si est-il dur d'y repenser et de se demander ce qu'il s'est passé. Avant de passer sur des voix de journalistes parlant de Meghan Markle, mentionnant qu'elle est en train de devenir une rockstar. Avant que tout ne s'écroule. Tout a changé, mentionne notamment Harry. Et la suite est encore plus explicite. Ce dernier dit qu'il y a une hiérarchie au sein de la famille royale, mais aussi des fuites et des calomnies. Ensuite, une journaliste parle de guerre contre Meghan Markle, une guerre menée par la haine et le racisme. Puis le prince Harry mentionne que ce qu'a fait subir sa famille à sa femme est très sale et déloyale. De quoi donner du grain à moudre aux médias avant la diffusion de la série. Et le moins que l'on puisse dire est que celle-ci promet de faire énormément de bruit au Royaume-Uni comme dans le monde entier.